Quand on a accepté de s'endetter, surtout dans les pays démocratiques, dans les pays où ce ne sont pas des démocraties, ce sont les dictateurs qui s'endettent au bénéfice de leur compte en Suisse. Donc ce n'est pas la même chose. Mais quand les démocraties s'endettent, bah, il faut en payer le prix, c'est-à-dire il faut rembourser. Il faut rembourser. Et on a beau manifester, la dette, elle est là, on l'a faite de façon démocratique, si on veut bien croire. Il faut la rembourser. Par des erreurs passées, mais par des erreurs originales. Des erreurs originales que les peuples portent parce que démocratiquement, ils ont élu et ou réélu les gens qui ont augmenté cette dette. Quand on parle du peuple élu, ça veut dire un peuple qui a plus de responsabilités et pas du tout plus de droits. Exactement, puisqu'il a été choisi parce que personne d'autre voulait faire ça à sa place. Je crois que le thème de la préférence renvoie au thème fondamental des causes de l'antisémitisme, qui est l'ingratitude, au fond. Qu'est-ce qu'on reproche au peuple juif? On lui reproche de lui devoir l'idée de Dieu et de lui devoir aussi, quand on, dans l'économie, de lui emprunter de l'argent. Donc on a une sorte d'ingratitude, et la meilleure façon de se comporter avec ceux à qui on ne veut pas avoir de la gratitude, c'est d'en faire un ennemi. C'est votre lecture de l'antisémitisme, parce que vous rejoignez Daniel Siboni, qui dans toute son œuvre parle constamment du problème de la dette. Le monde a une dette envers le peuple juif. Or, on n'aime pas avoir un créancier, bien que ce créancier ne réclame rien. Mais quand les démocraties s'endettent, bah, il faut en payer le prix, c'est-à-dire il faut rembourser. Il faut rembourser.